Bonsoir. On espère que vous avez passé un bon dimanche. Alors c'est vrai qu'il pleut toujours, hein, donc à Ilsa qui fait moche, il pleut, mais c'est pas grave. Dans notre cuisine, il fait beau. Voilà, alors... C'est une musique anglaise. Pourquoi, Marino, c'est une musique anglaise? Parce que la tarte à la rhubarbe, elle a son origine en Angleterre. Eh oui, on a appris quelque chose aujourd'hui, donc on a cherché Wikipédia. Un peu l'origine de la rhubarbe. Et en fait, moi je pensais que c'était en Alsace qu'on faisait au départ la rhubarbe. Eh ben non, la rhubarbe, elle arrive d'Angleterre. Voilà, enfin de Chine. De Chine? Oui. Ok, donc mais c'est l'Angleterre, un des pays qui produisait le plus de rhubarbe. Et c'est en Alsace quand même qu'on en produit beaucoup et qu'on en consomme beaucoup. Alors, pour certaines d'entre vous, vous avez certainement déjà vu et beaucoup ont déjà essayé. Mais j'ai reçu la rhubarbe et c'était l'occasion de vous refaire cette recette parce qu'elle est excellente. Et on va la faire dans le moule à tarte couronne. Alors, je vais très vite faire la pâte pour qu'on puisse un peu discuter d'autres choses. Parce qu'après, il faudra faire la meringue. Donc, on va très vite enfourner ça. Et comme ça, on discutera tout à l'heure parce que Marino a plein de choses à vous raconter. D'ailleurs, ce matin, on était à Schoppenwier. Au marché de fleurs, c'était magnifique. On a eu de la chance parce que, en fait, il n'a pas plu. Et c'est vrai que c'était incroyable. Il y avait du soleil, il faisait beau. Et franchement, c'est un marché aux fleurs qui est magnifique. Alors, on va commencer vite la recette du beurre mou. Hein, donc, du beurre vraiment qui est crémeux, vous voyez, que je laissais dehors depuis ce matin. On va rajouter notre sucre. Alors, la recette, je l'ai mise sur le iCookie. En fait, là, au robot, elle est, pour toutes celles qui ont le robot, elle est super facile à réaliser. Au robot, vraiment, prenez pas la tête, c'est vite fait. Marie-Louise, est-ce que tu m'utiliserais les jaunes d'œufs dans la pâte? Nous avons donc ici le beurre, nous avons le sucre, oui, avec la spatule, si tu veux bien. On va rajouter les jaunes, voilà, tu peux y aller, voilà. Donc les jaunes sont également à température ambiante, hein. Il ne faut pas qu'il y ait le beurre ou les jaunes qui tranchent, parce que sinon, sinon ça tranche. Mais si ça tranche, vous rajoutez tout de suite un tout petit peu de farine dans la préparation et du coup, vous ramenez la pâte à vraiment la consistance qu'il faut. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, elle est vraiment hyper rapidement faite. On va prendre donc toute cette masse. On va la mettre dans le moule couronne. On va mettre ça, les rhubarbes par-dessus. Donc, les rhubarbes, je les ai reçues vendredi. Je les ai donc tout de suite coupées. Et là, il y a une demi-heure, j'ai mis un peu de sucre par-dessus pour donc les dégorger un peu. Et on va vous parler un peu du Bisave tout à l'heure. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que nous utilisons tous les jours, hein, Marino. Et qui vraiment nous rend beaucoup, beaucoup de service. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur le Bisave. Est-ce que c'est pratique? Est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que je l'utilise bien? Voilà, donc pendant que la pâte, elle cuit, ben, on a au moins un quart d'heure hein, où on va pouvoir un tout petit peu parler de ce produit et vous expliquer. Aujourd'hui, c'est dimanche et le dimanche, on cuisine beaucoup. Oui, on fait que ça. Puis alors, c'est pas tout à fait vrai, mais on cuisine pratiquement pour la semaine. Donc, c'est vrai que ça, si vous voulez, ça nous rend service parce que on travaille tous les deux et quand on travaille, on n'a pas toujours le temps à donner comme on souhaite au repas. Et du coup, en anticipant un peu vos repas, et ça permet vraiment de se faciliter la vie de tous les jours. Voilà, alors là, vous voyez, la pâte, moi je la prends comme ça, qu'elle sorte du robot ou qu'elle sorte de mon cul de poule, je la mets sur mon moule, on va l'étaler vite fait et on va mettre ça au four avec la rhubarbe. Voilà, donc là, vous avez votre spatule coudée qui est hyper pratique. Hein. Hop, on va déjà étaler ça un peu.
Et Marino, tu peux m'ouvrir le biscuit? Oui, pardon. Le titre de la recette. Alors, c'est la tarte rhubarbe meringue. Donc, je vous avais déjà mis le lien dans le post pour les ingrédients, mais je vous remettrai ça. Donc, tout à l'heure, de toute manière, avec la vidéo et puis la recette sur mon Instant Gourmand. Alors, juste pour les gens qui n'ont peut-être pas l'habitude, mon Instant Gourmand reprend la vidéo et la recette avec les produits utilisés. Hein. Voilà, voyez là, moi je prends tout simplement la main, je tourne mon moule, je tapote ma pâte à l'intérieur contre le moule et contre le bord. Et vraiment, ça c'est top parce que le résultat est magnifique. La pâte, elle va de toute manière un peu gonfler. Prenez pas la tête, hein. Ça de toute manière, celle-ci ne s'étale pas. Donc, c'est vraiment pas nécessaire de vous embêter plus que ça. Vas-y, tu peux ouvrir, Marino. Sous vide. Oui, oui, elle est sous vide, oui. Oui, oui. C'est son dada. C'est un plaisir. C'est un plaisir, oui. Alors, donc là, on a... Ça fait même pas une demi-heure, d'ailleurs. Hein, j'ai mis un peu de sucre. Et les rhubarbes sont donc au frigo sans sucre depuis vendredi. Mais alors... Si, maintenant, on a un peu lu sur la rhubarbe, et c'est vrai que la rhubarbe, quand vous achetez les tiges, elles sont parfois déjà à ramollo. Ça se conserve, quoi, une à deux, deux jours. Deux à trois jours. Deux à trois jours. Dans le bac réfrigérateur. Ouais, mais parfois, mais si, parfois, dans le frigo, voilà, elles sont... Bah, on les ramène... Si déjà au magasin, elles ont, ouais, elles ont deux ou trois jours. Elles ont déjà deux ou trois jours, bah, tu peux plus trop les conserver. Donc, Be Safe, la dernière fois, je les avais gardées plus de huit jours. Mais sans aucun souci, hein, on n'a même pas eu besoin de se dire « Ah non, est-ce qu'elles sont... » Non, elles sont sorties comme ça, comme elles sont là, vraiment magnifiques, fraîches. Et ce qui est de bien, c'est qu'une fois que vous rentrez, vous les coupez tout de suite, vous les mettez sous vide. Du coup, quand vous en avez besoin, vous ne vous dites pas « Oh mince, il faut d'abord que je les prépare, il faut d'abord que je les coupe. Oh non, ben, je ne vais pas faire ça maintenant, aujourd'hui. » Et parfois, ben, on oublie de les utiliser et puis du coup... Ça va où? Ça va, bah, parfois à la poubelle. Donc, la compote de rhubarbe, j'en avais fait il y a 15 jours. Hein, et on l'a gardée et mangée encore une fois pendant 10 jours après. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans aucun problème, hein, la compote de rhubarbe. Parce qu'avec un yaourt ou nous, on aime bien la semoule. Comment on appelle ça? Des griesplutes en alsacien, hein, donc... Ça s'appelle la semoule, ou alors c'était des gnocchis alsaciens, ça. Voilà, on va mettre ça au four et tu peux me mettre un quart d'heure. On va laisser qu'un quart d'heure, tant pis, normalement je laisse 20 minutes, mais on laissera un quart d'heure comme ça. Voilà, tu mets un quart d'heure sur le... Et après, on préparera la meringue. Et pendant ce temps, on va se prendre un tout petit peu de temps et on va vous expliquer un peu notre organisation de tous les jours. Parce que c'est vrai que sinon, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On peut jouer aux cartes, on joue au solitaire, on fait quelque chose, hein? On va parler. Voilà, on va parler. Donc, tu as mis super. Merci beaucoup, Marino. Voilà, voilà. Alors, mets-toi peut-être avec moi, parce que c'est vrai que sinon, alors, on te voit pas. Alors, je vais me mettre comme ça, voilà. Voilà, voilà. Et je vais changer un peu la manière. On va vous rendre... Donc, voyez, là, avant, j'avais du beurre dehors. Donc, le beurre, si vous le laissez ramollir, donc dans le sens où vous le laissez devenir pommade, eh ben, on ne peut pas le laisser dans le papier parce qu'il est complètement... Donc là, on prend le petit récipient Be Safe et on va le mettre sous vide. Et on... ce sera propre. Et le frigo sera correctement rangé. Parce que si vous avez un papier qui commence un tout petit peu à devenir très gras et le beurre commence un peu à dégueuler... Hein, bah, c'est pas génial. Voilà. Et donc là, mon beurre est propre. Il est dans le frigo. Et demain matin, on pourra faire des tartines avec. Donc, par exemple, le samedi, on aime bien faire notre marché. Donc, le marché, qu'est-ce que c'est? On ramène des légumes. Oui. Et en fait, ça salit le frigo. Et à part, au lieu de faire ça, bah, on n'a pas toujours le temps tout de suite le samedi. Mais en général, soit le samedi soir ou soit le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? On prépare les légumes et on les met dans le bisset. Voilà, et on prépare surtout tout de suite à manger. Donc là, on va vous donner un peu les exemples, hein, de ce qu'on a fait ce matin. Donc ce matin, ben, on a coupé le chou rouge et on a tout de suite cuisiné. Donc là, c'est vrai, c'est quelque chose, en fait, le chou, on ne va pas forcément le manger demain ni après-demain, mais on peut très, très, très bien le manger
dans... Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Dans 4 ou 5 jours. Dans 4 ou 5 jours. L'intérêt d'en faire beaucoup, c'est déjà un peu plus facile, puisqu'on ne sait pas quoi faire avec le reste. Et il restait un peu de purée. Du coup, je l'ai mis au-dessus, ça ne pose aucun problème, parce que de toute manière, on va le réchauffer ensemble. Et là, ce qui est bien, quand tu rentres le soir et quand je ne suis pas là... Ouais, alors déjà, ça, c'est bien. Mais ce qui est aussi très bien, c'est de ne pas manger midi et soir la même chose. C'est-à-dire que là, on va se dire aujourd'hui, on est dimanche, on peut dire que mercredi, on va manger le chou et la purée avec le restant de bourguignon. Le restant de bourguignon qui est là. Et ça, c'est très facile. On rentre à n'importe quelle heure, le soir. On prend le bisave, on met dans la casserole, on laisse chauffer 10 minutes, un quart d'heure à feu doux. Et on a un repas. Alors là, on a fait des pâtes depuis jeudi dernier. On a fait donc tout le paquet de pâtes et on prend au fur et à mesure de nos envies. Ça, on peut utiliser donc comme on a fait il y a à peu près... Ben, ça, c'est mardi, puisqu'en fait, il mardi, me fallait la sauce tomate. Donc, qui ira bien avec les pâtes. La salade qu'on prépare tout de suite et qu'on prend au fur et à mesure de nos besoins. Hein. Pour la semaine. Donc, voilà. Pour la semaine. Donc, en fait, on sort. Et vous verrez que je mets toujours un petit sopalin dans le bisave pour que, en fait, le légume va donner forcément de l'humidité. Et en fait, comme ça, le sopalin va absorber l'humidité. Hein. Le raisin. Alors là, les raisins, c'est pas moi qui les ai mis en bisseille. Non, mais alors ceux-là, ils ont déjà presque 4 semaines. 4 semaines dans le bocal. Ouais. Et donc, ils sont donc gonflés avec du kirsch. Mais ça, je peux encore les laisser au moins en 4 semaines. Ça ne bougera pas. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut en prendre et on peut tout simplement refermer. Ça pose aucun souci. Alors, les fameux grillettes plus tard. Voilà, les grillettes plus tard, ceux-là, ils ont... Ah ben, ils ont au moins 5 jours, hein, parce que je les avais fait début de semaine. Hein. Et alors, donc... Tout le monde ne mange pas des grillettes plus tard, mais voilà, nous, on les a, ça fait un repas. Ça fait un repas, et puis ça fait parfois avec un reste de fruits ou de viande en sauce, hein, parce qu'en fait, on peut aussi bien le manger chaud que froid, ça pose aucun souci. Alors là, ce matin, on a fait donc des grillades à 8h du matin. Et on les a mis dans le bisave. Pareil, c'est un repas qu'on peut dire, je sais pas, demain lundi ou mardi. Manger froid avec la salade. Ou manger froid ou même réchauffer si on a envie. Mais en tout cas, elles vont pas. Ni sécher, ni rien du tout. Alors voyez là, il reste des pâtes. Mais l'autre jour, en fait, j'avais utilisé des olives que j'avais mis sous bisave et il me restait du thon que j'avais mis sous bisave. Ça ne bouge pas. Mais je peux très bien imaginer une salade de pâtes. Comme on avait fait l'autre jour, on avait fait un petit peu de pâtes, un peu d'olive, un peu de thon, encore une tomate et un poivron dedans, et ça nous fait une salade. On ne vous parle même pas des blancs d'œufs, hein, parce que le blanc d'œuf, tout le temps, dès qu'on en a, même un, même deux, même trois, on le met sous bisave. L'avantage que ça a aussi, c'est que votre frigo, il est nickel. Vous posez ça dedans, t'as pas d'odeur. T'as pas de saleté, puisqu'en fait, les légumes, parfois, on ramène des carottes. Alors, vous savez, la carotte en fan, ça, c'est le truc vraiment incroyable. Tu amènes des carottes en fan. C'est génial, c'est super propre. Et alors, tu mets ça dans le frigo, mais le lendemain, tu veux faire quelque chose avec, et ta carotte, elle fait comme ça, n'est-ce pas? Et on n'en fait plus rien. Vous n'arrivez même plus à la rendre en salade, parce qu'en fait, elle se laisse plus râper, parce qu'elle est complètement ramollo. Alors, ce qui est de bien aussi, c'est la lunchbox. Moi, j'aime beaucoup la lunchbox pour mettre la charcuterie. Alors, c'est vrai qu'on vous a beaucoup déjà parlé de la charcuterie italienne, mais on ne mange que celle-là. Oui, hein, parce que alors on n'en mange pas non plus. On n'en mange pas beaucoup, mais on ne mange que celle-ci. Ouais. Et celle-ci ne se conserve pas. Alors que si tu mets la charcuterie italienne sous bisave, tu peux la garder, mais minimum 4-5 jours. Hein. Ouais, sans problème. Même plus. Oui. Alors, ce qui n'est pas un secret pour vous non plus, c'est qu'on aime faire du vélo. D'ailleurs, maintenant, on va bientôt repartir. Bon, sauf que la météo n'est pas pour l'instant avec nous. Avec nous, mais ça ne va pas tarder. Du coup, qu'est-ce que je fais? On prépare, on ouvre un peu le frigo, on regarde ce qu'on a. On a la cuisse de poulet, hop, on met ça, on emmène ça. On a un peu de salade, on se fait une salade de pâtes, n'importe. Vous avez le sac réfrigéré. Alors celui-ci, en fait, il est toujours au congélateur chez nous et on peut poser sans problème la lunchbox à l'intérieur. Ça, c'est vraiment pour
boire parfois trois personnes, hein, ça suffit largement. Moi, j'adore ma petite gourde en verre. On pose ça dedans. Et une bière. Pas de bière. Si, si, une bière, merci. Allez, et on se met le couvert, on se met encore une pomme et puis quelques amandes ou noisettes quand on a un petit envie, une petite envie de croquer dans quelque chose. On met ça dans le sac à vélo et en fait, ça, c'est quelque chose qui reste froid toute la journée. Bien sûr, alors pour ceux qui travaillent et qui doivent aujourd'hui emmener, tu sais, le repas parce que les cantines sont fermées et tout ça, ça c'est top parce que vous pouvez bah, vous faire votre petite lunch le matin, vous ouvrez le frigo ou la veille, hein, ou bien quand vous avez fini de manger, vous dites, ah tiens, j'aimerais bien emmener ça demain ou n'importe, ou quelqu'un qui a besoin d'un régime en particulier, se fait son petit repas, emmène son repas et la lunchbox, en fait, vous pouvez facilement enlever le couvercle, vous avez le couvercle micro-ondes et vous mettez ça au micro-ondes au travail, c'est génial. Et vous avez votre repas comme vous le souhaitez. Ça, c'est franchement quelque chose qui est top. Je reviens sur, au lieu de faire tout le temps les portions qui correspondent à un repas, du coup, on en fait plus. Par exemple, une ratatouille, on ne peut pas se dire, on va faire une ratatouille pour un repas. Ouais. Du coup, on en fait plus, et c'est dommage. Du coup, on en fait plus, on met dans le bisel. Eh bien, une ratatouille dans un bisel, c'est largement une semaine. Oui, alors ce que moi, j'aime beaucoup faire aussi avec le reste de ratatouille, puisqu'en fait, on en mange, on en réchauffe, et après, je fais une petite salade avec. Vous savez, parfois, il ne reste pas grand-chose. C'est comme ce reste de thon. C'est rien. On aurait tendance à se dire, hop, allez, on le jette à la poubelle. Mais non, en fait, vous le gardez, et en fait, ça vous fait vite une petite tartine. Alors, vous avez une tranche de pain qui reste. Allez, on la met dans le grille-pain, on met de l'huile d'olive, on rajoute la salade froide de ratatouille, enfin on met la ratatouille, on rajoute un tout petit peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique, notre bon vinaigre balsamique, et vous rajoutez par exemple une tranche de tomate, un oignon frais, et ça vous fait une tartine qui est géniale pour le soir. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez parce que parfois les petits restes, on ne veut pas les conserver parce qu'on se dit... Ouais, ça va pas, ça va... Qui c'est qui va manger ça? Je vois les sèche, ou bien comme le jambon qui devient collant, qui devient sec, ou le fromage râpé qui devient moisi. Alors ça, vous n'avez plus dans le B-Save. Hein. Donc ça, c'est quelque chose. Et avec le cooking, moi, je ne fais plus de fromage. Enfin, je n'achète pas de fromage râpé. Je prends mon fromage, je le coupe en morceaux dans le cooking. Et hop, quelques secondes après, vous avez votre fromage qui est bon à être dégusté. Qu'est-ce qu'on a comme avantage? Mais le vin. Tiens, d'ailleurs, on a deux bouteilles de vin. Ah, oui. Aujourd'hui, mon fils est venu manger à midi. On a ouvert deux bouteilles de vin. Donc voilà, à midi, on a pris un verre. Ça, c'est un vin un Saint-Estèphe. On va pas le boire ce soir. On le laisse, on le met en bisel. On le laisse deux semaines sans que on ait un problème. Deux semaines, on l'oublie même. Ouais. Ainsi que celui-ci. D'ailleurs, moi, j'ai toujours de l'Edel ouvert dans le frigo pour la cuisine. Et ben, du coup, je l'utilise sur un mois sans problème, parce qu'en fait, on ne boit pas non plus de l'Edel tous les jours. Et vous savez, la salade de fruits. La salade de fruits, en fait, j'en ai fait hier soir. Mais en fait, la salade de fruits que vous ne mangez pas tout de suite, elle est cuite. Alors que là, tu peux la garder, tu peux la conserver. Et tu as du plaisir le lendemain matin de manger ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous rend service toute la semaine. Toute la semaine, oui, vous ouvrez votre frigo, nous à deux. Au lieu de faire un click and collect, voilà. On fait clic. Et on mange. Et on fait... Oui, voilà. Ça, c'est... Vous voyez, donc là, il y a de quoi faire. On peut faire une pizza, on peut faire un kouglof, on peut faire une salade. Donc, on mange, en fait, toute la semaine. C'est ça qui est important. Et c'est surtout, vous savez ce que vous mangez. Et en fin de compte, c'est une économie. C'est une économie de temps. C'est une économie d'argent. C'est une économie d'organisation. Et le verre, ce qu'il y a de bien, c'est que vous ouvrez le frigo, vous regardez dedans et vous voyez ce que vous avez. Et là, vous vous dites, ah ben oui, tiens, j'ai un reste de pâte, je vais me faire une salade ou je vais me le chauffer avec la sauce tomate. L'autre jour, j'avais fait, vous savez, la tarte végétarienne aux légumes. Donc, il me restait deux petits poivrons, il me restait une tomate. Et ben du coup, le lendemain, j'ai fait des pâtes à arrabbiata. Et c'est vrai que ça, c'est top parce que tu as un peu de légumes, tu as des pâtes qui sont cuites, tu coupes vite tes légumes, tu mets ça dans la poêle, tu mets tes légumes avec, un petit peu de piment et hop, c'est parti. Alors, les pâtes, c'est pas long.
C'est 15 minutes, mais bon, là... Ouais, on t'as les pas a... toujours, elles... Ouais. Elles sont prêtes. Au lieu de faire 150 grammes de pâte, on fait les 500 grammes et on a tout. Alors, j'ai une question sur le... Check. Les grillades plus tard, quelle recette? Les grillades plus tard, en fait, c'est 1 litre de lait et c'est 200 grammes de semoule et un œuf. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous cherchez votre semoule au moulin à Ezingue, les gens de Ezingue, et bien, vous avez la recette dessus. Mais c'est vrai que la semoule, c'est 1 litre de lait. Moi, je fais 1 litre de lait, 200 grammes de semoule. Vous commencez à cuire le lait. Et puis, vous rajoutez la semoule au fur et à mesure jusqu'à ce que ce soit épaissi. Vous rajoutez un peu de sucre, un peu de sel et un œuf. Et puis, vous laissez. Alors, moi, j'aime bien le mettre sur le flexipan plat. Et du coup, à refroidissement, je le retourne et je coupe des tranches et je mets ça dans le frigo. Alors, parfois, vous savez, je cherche mon lait à la ferme, à Ranspach. 1 litre de lait par semaine, mais parfois, j'en ai pas besoin. Et bien, du coup, ça me permet tout simplement de faire ça. Et puis, on a quelque chose de prêt. Alors... La salade est-elle lavée avant de la mettre? Oui, voilà. Moi je la lave avant. Oui. Et il y a des ruptures sur les récipients. Oui, il y a des petits, oui, ce genre absolument. De choses. Mais là, il y a pour l'instant, on a quelques petits soucis de réapprovisionnement, mais c'est en train de se résorber. Ne vous inquiétez pas, de toute manière, ça va assez vite et tous les kits sont livrés. D'ailleurs, pensez à la fête des mères, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui peut faire plaisir à votre maman ou tout simplement à toute la famille. Et c'est quelque chose, en fait, si vous voulez, on a des petits bocaux, des récipients qui sont en rupture, mais ils livrent le kit très rapidement et après, ils réapprovisionnent au fur et à mesure. Et de toute manière, si vous voulez, si vous avez besoin de quelque chose, on peut vous conseiller dans le sens où on dit voilà, on prend votre commande et dès que ça arrive en stock, on vous le prend et on vous le livre. C'est quand même assez rapide. Je vais terminer vite ma meringue parce que en fait, là, il y a une question. Alors, j'ai encore une question. Oui, vas-y. Ah, il faut que je la retrouve. Ah, ok. Donc, écoute, moi, je monte déjà la meringue et tu me poses la question. Donc, blanc d'œuf, le doux blanc sucre, hein, ça c'est important. Et si tu veux... La grandeur du frigidaire, ben c'est un 160 litres. 160 litres, le frigo. Ouais, c'est un 190. frigo tout à fait classique. De toute manière, si vous voulez, vous mettez moins dans votre frigo une fois que vous avez commencé à bien travailler avec le D-Save, parce que vous allez comprendre que vous avez besoin de moins, parce que vous transformez vos produits. Avant, moi j'en mettais plein, j'en avais dans le bac à légumes, j'en avais, mais parce que tu prends toujours des trucs en avance. Et maintenant, alors, on a changé notre manière de travailler. On peut remplacer la rhubarbe par la fraise. Bien sûr. Aussi la framboise, hein, c'est très bon. Hein. Est-ce que tu me mettrais un peu d'huile? Peut-on utiliser la rhubarbe congelée? Oui, bien sûr. Non, tu vois ça, le jus de citron, il y a le frais, ça grume là-bas. Ah, c'est ça. Je le mettrai après à la fraise. Oui, vous pouvez utiliser la rhubarbe qui congèle. D'ailleurs, la compote se garde bien aussi. Hein. Et se congèle également, sans problème. Alors, il y a un entremets que je vais vous faire aussi. C'est un entremets avec un insert rhubarbe avec une mousse au fromage qui est très bonne. Je vais y penser. Voilà, tu peux mettre un peu de citron si tu veux bien. Donc, après, ça brûle. Hein. Voilà, vas-y. C'est bon. Il est incroyable. D'ailleurs, le demi-citron qui reste, sous vide. D'ailleurs, tu peux me sortir la... Sous vide, ça pose aucun problème. Vous avez les petits couvercles qui vont sur les verres. Vous mettez votre citron dans le verre, vous mettez sous vide. Ça vous fait un jus de citron pour le lendemain matin, pour vos poissons dans la semaine. C'est vraiment top. Voilà. Donc là, on a le blanc d'œuf qui est monté. Alors, tu peux descendre le four maintenant à 140 si tu veux. Ouais. Voilà. Pensez tout de suite à descendre votre four. Hein, ça, c'est hyper important. Là, on va préparer la poche à douille. La poche est donc en nylon, ne transpire pas, ne traverse pas. On a deux sortes de douilles, une sorte avec un pas de vis et une sans pas de vis. Hein. Donc, mais la douille, c'est de la même qualité, c'est de l'exoglace, donc c'est génial au niveau de la qualité parce que ça ne casse pas. La poche, vous allez devoir à un moment donné la changer, hein. Ça c'est normal, ça va s'user, mais les douilles sont incassables. Voilà, on va mettre la
meringue dans la poche. Et on va dresser ça. Et après, je remettrai ça donc tout simplement au four pendant une vingtaine de minutes. Et vous laissez complètement refroidir la tarte meringuée. Et je vous ferai le démoulage. On fera une vidéo sur le démoulage donc pour vous montrer comment on démoule la tarte. Je vous assure, une fois qu'elle est froide, ça ne pose aucun souci. Voilà. Donc là, il n'y a pas de flan, hein. Il n'y a pas d'œuf de crème donc dessus. Voilà, nous avons notre tarte donc qui est dans le moule couronne. Mais donc la masse, que ce soit maintenant pour ce moule ou pour les grands ronds ou le moule à tarte classique, c'est la même. Voilà. J'en mets toujours de trop. Pas toujours. Ouais, mais souvent quand même. J'ai toujours l'impression, comme on dit toujours là. Voilà. Hop. Si tu veux me tourner la tarte, Marino. Ouais, alors. Oui, non, pas avec les mains parce que c'est chaud. Hein. Mais t'entends, tu le gant, il est derrière. Il est derrière le gant. Ah, oui. C'est vrai que j'ai mon plateau tournant, je n'ai pas pensé à le préparer. Mais Marino va faire le plateau tournant. Donc, on vous... C'est motorisé. On ne vous parle même pas des blancs que vous pouvez garder un mois. Hein. Alors là, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est juste génial, le blanc d'œuf. Mais parfois, là, vous voyez, j'ai fait une rencontre réseau la semaine dernière et on avait préparé du pesto à l'avance. Et bien, le pesto, je l'ai mis sous vide. Donc, ça, ce n'est vraiment pas un souci. Vas-y. Et c'est pour tout pareil. Vous ouvrez un bocal de tomates séchées, et ben vous embêtez pas. Vous prenez ce bocal et vous mettez les tomates dans un petit verre et vous les mettez sous vide. C'est propre, c'est nickel. Vous voyez ce que vous avez et vous l'oubliez pas. Parce que parfois vous prenez ce même verre et vous le remettez au frigo et vous avez oublié qu'il n'est plus fermé. Et vous pensez avoir la tomate séchée à l'huile au réfrigérateur, ben quand vous ouvrez le bocal, c'est moisi au-dessus. Donc, c'est vrai que c'est quand même absolument génial d'avoir ce produit à la maison. Voilà. Comme merci c'est beaucoup, bon. Martino. Alors, attends, je vais prendre le gant quand même. Parce non, que, si, je vais prendre le gant. Bien. Voilà. Voyez, regardez comme c'est joli. Voilà, on va mettre ça au four. Donc le four est baissé au niveau de la température et ça va nous donner une meringue super, super croustillante. Voilà, allez, hop. Voilà. Alors, je suis à votre disposition pour vos questions. Pensez aussi qu'en ce moment, nous avons du 10 fois sans frais. Le 10 fois sans frais, ça passe par la conseillère. Si vous avez besoin ou envie donc, de passer par, par un 10 fois sans frais, donc il faut m'appeler et on prépare le dossier en ligne directement. Et ça met à peu près 15 jours pour arriver donc, après chez vous. Voilà. J'espère avoir, nous on a passé un bon moment, n'est-ce oui, pas on a passé et un puis bon moment. Surtout, bah, passez une belle semaine. On se revoit dans la semaine, je ne sais pas encore quel jour, mais je vous ferai un petit post. Et on vous souhaite une bonne soirée et surtout à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée.